Moi-même, c'est Jean-Julien, qui dans le cadre de collection 2004, aux collections du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, vient d'inviter à nous continuer le grand pèlerinage que nous avons fait ensemble dans l'histoire du pays d'Haïti. Enregistrement ça, c'est première édition, volume 6, qui pourra commencer en 1908 avec Antoine Simon, pour arriver jusqu'en 1922 avec le président Louis Borneau, en passant par Occupation Américaine et charlemagne magne Antoine Simon, 22 décembre 1908. 2 août 1911, 19e président d'Haïti. Jalno-Alexis tombé, il prend bâtiment, il en à Jamaïque. Deux jours après, le 5 décembre 1908, Général Antoine Simon, à la tête cela, mais de force l'armée de 8000 soldats, rentré pour Port-au-Prince. Le, le lendemain 6 décembre, il prend pouvoir. Deux semaines après, le 20 décembre 1908, toutes 117 députés et sénateurs ont voté en bloc. Général François Antoine Simon. 19e président d'Haïti. Antoine Simon, c'est un paysan. Il était fait dans la section rurale, tout prévu, local. Il était un monde simple, modéré, malgré le pas de savoir, Il était très intelligent et le pas de manquer bon sens. Il commence sa carrière militaire comme chef section. Il montait, il un grade. C'est comme ça général. Il était commandant des départements du Sud pendant 25 ans. Paysan dans le Sud, il était pile. C'est pour ça que composant chanté pour lui. Antoine Simon n'a pas mouru pour où ses lampes, nous ses papillons. Comme président, Antoine Simon a fait une bonne idée. Et peut-être, il a fait un pile bien pour le pays. Malheureusement, il a mis bon pour aider le dirigeant du pays. Il y malhonnête qui ne connaît pas l'autre bagaille, sinon volé et plein pocheau. Parce qu'Antoine Simon ne connaît pas les Français, moun pas de prince, aucun respect pour lui. Il est tombé parce dans la bêtise. Il a même le président Gade Champette. Il comme ça en septembre 1909. Il fait passer une loi qui dit que n'importe qui que a passé, tout le monde, fait pour suspendre le fumé, retirer le chapeau et saluer le bien-bas. Sinon, on va pas arrêter. Il a pris un en bas et il a prison. prison. Mon pote au prince a passé Antoine, Antoine Simon en bêtise pyrède Antoine Simon, en ce toute la famille c'était ans et c'est une religion qui a été pratiquée ou vêtements sans cachoterie. Comme commandant militaire du département du Sud, Antoine Simon est arrivé trompé tromper avec Okaïla, Monsieur Maurice, et faire chanter l'enterrement Simalo, un petit cabrit blanc que le gagné. Antoine Simon est même arrivé faire enterrer Simalo en dans un cimetière Okaï. Naturellement, ça fait bruit. Après ça, Monseigneur Maurice passe l'ordre que yon paix faites pour faire, l'ouvrir toutes ces cailles. Ouais, si c'est cadavre, d'avions qui est dans ces cailles-là avant que le cap chantait lentement Antoine Simon t'a gon petite fille qu'elle te ramen en pile qui te relé Celestina Celestina ça c'est ton gros mambo lui tel vont style des palais il te confère fait gros cérémonie vaudou dans commencement 20e siècle blanc français avec blanc allemand pas manquer pas jouer gros rôle dans affaires pays les États-Unis étaient surtout allemand yo, parce que c'est eux qui contrôlent les compagnies train Usine glas, wa fotoprins, kompany elektrik, fotoprins, ak okap. An pil nan alman yo te marye ak fam aisyen. Yon fason pou yo te ranger zafè yo. Paske lwa peyi ya nan tan sa, pat pèm et etranje, fè komès. Se alman yo ki te konvoye van, yon bon pati dan re peyi ya te fè lot bod lo. L'alman pou kon pal te achete plus pase yon tsyè kafe ke peyi ya te prodwi. Se alman yo ki te kon komande an alman yo. produits en coup ciment, guerre, médicaments, actuels. Influence allemande est fond dans affaires politiques. commerçants ça, et qu'on acheté bon, dans n'importe qui général qu'il veut faire une révolution, à raison de Discord pour dollar. Si aucune révolution a triomphé, gouvernement qui monte au pouvoir, est obligé de payer, comme ça, yo, yon dollar pour chaque bon Discord. Si pas mal chance, révolutionnaire pas triomphé. Concile allemand dans la ville province ensemble avec la mission allemande dans Port-au-Prince, est toujours ouvert porte de deux pour les révolutionnaires, asile politique. Entre l'année 1912 et 1914, comme l'Allemagne a gagné plus d'influence en Haïti que dans toutes les autres îles dans la Caraïbes, pour le gouvernement américain, il était sûr que l'Allemagne pourrait occuper le pays d'Haïti. Et les États-Unis pas voulaient pas que ça arrive. Après procès de consolidation, ton tonote fait même banque nationale de la République d'Haïti. Ça, que la cause pas de banque dans le pays. Quelques gros autobus français et allemand yon bo, Quelques gros autobus américain l'autre bo, tous les deux groupes de marche, yon yon, ont fait des marches pour ces yon nan yo qui gain contrat pour l'ouvrir banque nationale de la République d'Haïti. Antoine Simon décidé de faire blanc français et blanc allemand yon doigt pour ce qui l'ouvrir banque là. La même. Washington fait Antoine Simon comprendre que arrangement ça compte intérêt pays américain et s'il persistait, ça capture une menace grave pour la souveraineté et l'indépendance du pays d'Haïti. Antoine Simon Blige fait bac et le 11 janvier 1911, Banque la ouvrit avec la First National City Bank contrôlait 50% toute sa Banque nationale de la République d'Haïti rien. Au commencement, Banque Latel deux directeurs, les Américains à yon Français. Après ça, banque-là vient de seulement aux américain comme directeur et c'est la First National City Bank qui était représentée Banque Nationale de la République d'Haïti comme agent dans New York. Ce qui est plus grave, malgré banque-là, c'est une banque, banque haïtienne. Le gouvernement haïtien est obligé de payer 1% d'intérêt sur tout fonds d'agent que l'État a déposé dans Banque Nationale de la République d'Haïti. Kontra McDonald, Haitien komensal koupe kon Cuba, finisman gouvenman Antoine Simon. Te kon blan Ameriken, kitere le James McDonald. Msyen te vle fè gouvenman ba el doa pou l metre ray e fè tren konekte e kouri nan depatman l ouest, la Tibonit ak depatman du nor. Pou kouvri de pensyo, li mande gouvenman pou l tafè bon ke l eta Haitien ta garanti. E sou te l eta, debor ray tren yo, Qui pral planté figue banane. A cop tax, que l'État pral charge la douane, les yap vôye vann de l'autre l'État a pramasse bon pour rentrer bon yo. C'est une opération tête chatte, et Antoine Simon pas de blé mâche. Pour le courage Antoine Simon, McDonald madame met Celestina. Li dit, l'ap yon collier en perle, s'il t'a fait papal si un contrat. Antoine Simon, pour faire Celestina plaisir, yon petit que le en pile, la même si un contrat. Même soir, McDonald's by Celestina collier en perle. C'est longtemps après, le Celestina en exil Jamaïque, que le te pas à prendre que collier en perle McDonald's te là, c'est un collier chrysocal, qui pâte même vos 5 dollars. Celestina après ça, fait, fait sème si on joue t'a croisé avec McDonald's, la bonne tasse café en mai à cli et la Rachel, à coup Il faut dire que quand un à fait McDonald's ça, c'est un flop. Tout d'abord, la banque pas intéressée à mettre l'argent de pour financer le projet ça. Deuxièmement, pas de gens qui ont des banane qui te planté. Troisièmement, tu as trois lignes. La première ligne, tu es connecté point saint marc verret La deuxième ligne, tu es connecté Gonaïf Henry. Et en troisième ligne, tu es connecté au Cap, Granivier du Nord et Baron. Quatrièmement, tout travail, tu fait trois côtés différents et pas de gagner aucun plan pour te faire trois systèmes, tu seul. Comme ça, tu es obligé de gagner trois bureaux, trois dépôts pièces de rechange, trois équipes de travailleurs. Cinquièmement, comme les Haïtiens pas habitués à faire des travail, tu es obligé de chercher aux États-Unis ingénieurs, forman, et travailleurs pour venir faire travailler. travail. Très haut était roulé pendant quelques années. Après ça, tu est fait quelques wagons, roulé sur le rail pour transporter le canne venant usine. l'usine. tout le rail s'est disparu. C'est en 1910 que les jeune garçon, ça fait pas bon, avec un pile paysan haïtien, a commencé à quitter le pays pour aller à la safra, qui veut dire à couper le canne qui c'est surtout moi, c'est Nicolas, il a été embauché. L'embauchage a été fait sans formalité. Il a été sans passeport. Et il pas de connaissances sur les condition où travail, Ni comment il peut retourner en Haïti. La saison du la fini. Ça a les hôtels a été arraché en Afrique et il est venu en esclavage dans ces domaines. En pile dans Cooper, il a été Et descendant, il fait que je eu il y une grosse colonie haïtienne cubaine qui vivent dans la province orientée dans Cuba. Yon l'année après, Antoine Simon est monté au pouvoir. Il était clair que le patron dirigé le pays. C'est comme ça. Il a fait arrêter un bon monde. Un pile est mort mourir goût. un pile d'autres est a tout fait. Parce que caché trois petit pour qu'il y ait tout bon monde qui est dans la prison. Il a fait fusiller Un pile intellectuel, un pile savé. Le 2 février 1911, Cincinnatus comte soulevait Kakoyo dans Wanamet. La même, président Antoine Simon, à la tête d'une force l'armée, marchait sous le département du Nord. Cincinnatus comte était obligé à prendre refuge dans le consulat allemand dans ville au Cap. Après qu'elle était point en liberté et mettait du feu à Wanamet, Antoine Simon retournait à Wanamet. Kakoyo soulevait encore. Fois ça, c'est toute nord dest qui t'a levé campé. Antoine Simon retournait encore dans en le Nord, mais elle réalisait, toute l'âme elle l'a abandonnée, elle dit courir en dans de prince Le 24 juillet 1911, c'est sinatus le comte qui est en exil en Dominicanie, rentrait au Cap-Côtel, déclaré tête lui chef de la Révolution. C'est presque tout le pays à conière qui soulevait contre Antoine Simon. Furniss, qui était chargé d'affaires américaines, t'a offert Antoine Simon... Pour et marine américain marines américaines pour combattre le Contio et aider le pouvoir. Antoine Simon a refusé. Le 2 août 1911, Antoine Simon, ensemble avec le famille, a descendu sous un bateau pour aller en exil. Les il y a eu un masse qui a été pour faire un vasou. Il a tiré sur Celestina qui a balle dans les bras. Il a sauvé, grâce à un directeur compagnie Chemin de Fer, qui t'a développé en un drapeau allemand. Comme ça, tu réussis réussi à monter à bord d'un bateau américain qui t'a mené en exil jamaïque. Le peuple, après ça, al pour déchouquer quelques magasins allemands. Comme dans le sens ça, toujours un bateau de guerre allemand en rade. Quelques soldats allemands sont débarqué pour une mission diplomatique allemande ensemble avec allemand. les magasins allemands. de prince sécurité. Antoine Simon est parti en exil avec une fortune de plus de 1 million de dollars. Il est retourné en Haïti en 1914. Il est passé à sous habitation qu'il a gagnée dans la zone de Borokaï. il de mort le 10 janvier 1923. Qu'on de 1911 à 1915, nous pourrions en quatre ans sept gouvernements défilés, l'un après l'autre. À la tête pays. C'est le compte, 14 août 1911, 8 août 1912, 20e président d'Haïti. Le 6 août 1911, quatre jours seulement après Antoine Simon Paty, Cincinnatus le compte rentré Port-au-Prince et là même l'a installé dans le palais national. Premier acte que fait, c'est empêcher un ténor Firmin qui tenait dans là à bord d'un bateau français débarqué. Firmin était obligé de retourner à Saint-Thomas côté le pral -Mouri quelques jours après. Le 14 août 1911, la Chambre réunit et au nom de Saint-Sinatus le Comte, qui était gagné 52 ans, 20e président d'Haïti. Le Comte, c'était petit, petit, empereur Jean-Jacques Dessalines. Il était fait le 29 septembre 1859. Très jeune, parents an, Thévoil allait en Allemagne. Les lois tournaient il passait quelques temps à travailler dans le consulat allemand au Cap. Au commencement, personne ne voulait pas coller sur le compte parce que tout le monde songeait que le compte était condamné à 15 ans de travaux forcés dans le jugement qui était fait sous ton, ton nom dans les pour procès-consolidation. Premier, ça, président Le compte fait, c'est mon temps commission pour ouvrir enquête sous tout contrat qui était fait sous gouvernement Antoine Simon. Premye rezultan ke te la montre te gen pil la jan ke te fè chèmèk wò chè. Se pa de gagot Antoine Simon, famil, minis li yo, ansan ma kek palman te te fè nan la jan l'Etat. Le kont ki tal de kol an Alman, te gen bon rapor a koloni Alman ki tap viv nan peyi ya. Se pou tèt sa, apen li montè, koumè san Alman yo fè l kado 2 milyon goud. Le kont te rentre nan gouvernman lan, yon ban moun honed e chajak kompetans. Nan edukasyon, li te nomen te atulien Gilbo, minis, ki fe ampil reform. Li te monte yon konspektor ki te la pou rekomman l'ekol yo tap mache. Li te baye profeseur augmentation, li te relansi l'ekol rural, li te genyen yon proje pou relouvri l'ekol industriel nan Port-de-Prince. La la justice, Le comte a révoqué tout juge qui était incompétent ou bien qui était malhonnête. Dans l'armée, il était réintégré en pile militaire. Il était fait fait bâti l'année 1912, caserne Salines pour honorer grand-grand-papa Jean-Jacques Salines. Le comte passe dans ses avec Vaudou, lieutenant-membre officiel Jean Laroche la Roche, ministre à Travaux Publics. Comme c'est sous le comte, premier automobilité entrée en Haïti, il a réparé préparé toute rue Port-au-Prince et tout le pays a été tourné un gros chantier. Dans le finissement mois avril 1912, le a commencé à gâter. Charles a voulu soulever cacao contre le compte. Et personne n'a pas compris ce qui a passé. Sinon, la nuit 7 pour le 8 août 1912, le compte a plus passé 300 soldats. Garde présidentielle, pas mourir dans une grosse explosion qui t'a écrasé par l'air. Personne pas jambes expliqué ce que la cause de l'explosion. En tout cas, c'est Antoine Simon, pendant qu'elle était président, qui t'a fait déposer en bas à l'air, une bonne ben zame, avec une bonne boulette, qui était dans la cale, un bâtiment de guerre. Est-ce que c'est ton conspiration? Est-ce que c'est ton accident? Personne ne connaît. En tout cas, en dépit qu'elle passait seulement un an au pouvoir, parce qu'elle était honnête. Li te save, el te kompetan, historien plase Sensinatus Lecomte nan mi tan pi bon prezident ki pase au pouvoir nan peyi d'Haïti. Tankrad August 8 ao 1912, 2 mai 1913, 21èm prezident d'Haïti. Lecomte mouri, menm jwa la chanm reyuni, yo fèy lèksyon, e yo nanmen Tankrad August 21èm prezident d'Haïti. T'en Auguste, d'Auguste, c'est mulat qui t'a fait au cap. L'élément au pouvoir, il t'a gagné 56 ans. Condamné que le compte pour le faire 15 ans de travaux forcés, pour pou ses consolidations. Général No alexis t'a fait le grâce et même te nommé le ministre intérieur pour remplacer Villard dans le compte parce que d'après Général No alexis tant que d'Auguste, c'est seul monde qui t'a capé d'elle dans une grosse crise politique. Le gouvernement a traversé dans l'époque ça. T'en Auguste, écoute, c'est ton bel garçon. C'est ton monde qui t'a pile l'influence. li te goun goun plantasyon kan nan zon bo aeopor ma yi gate, li te kwe an pil nan edukasyon. Se kon sa, sou abitasyon, li te louvri nan lekol, kote an pil timoun nan zon nan, te kon alpon edukasyon gratis. Le tan kredo gus kivou pouvoi, li pat montre ke lte genyen yon program politik. Kom se patizan le kontyo la chan ki te fel grive prezident, li pat fe okon reforme. Il était qu'un tout le monde dans la place. Celle-là, elle avait fait, c'est rebâti par les nationales et continue le même programme éducation qui était commencé sous président le président Lecomte. Sous ceci, Natus Lecomte, de même que sous le Tancred Auguste, pas de gangagote dans l'agent de l'État. C'est qu'on ça en finissement l'année fiscale 1911-1912. Sous le compte, elle a plus de 90% de, recettes de la douane. Et pour finissement l'année fiscale 1912-1913, yo te jwen plus pase 800.000 dolar nan kes l'Etat. Fon nou sonje ke den pi sou Antoine Simon, se yon blan Ameriken ak yon blan Fransè ki tap dirije la Banque Nationale de la Republik d'Haïti. I fok nou di, se sinatus le kont, ansem ak tan kredo gus, ak koz l'od yo te mette nan l'ajan l'Etat, yo te rive depose an rezerv nan Banque Nationale de la Republik d'Haïti, plus pase 12.000.000 francs Fransè, Pour rentrer tout vieux l'agent qui t'a fait roulement dans le pays a depuis sous ton nom. En 1912, la, la Chambre votant une loi pour permettre au gouvernement de faire tirage sur l'agent qui était en dépôt dans la Banque nationale de la République d'Haïti. Directeur Banquio refusé. En 1913, la Chambre votant deuxième loi. Directeur Banquio, non seulement il refusait d'obéir, mais il demandait à tout le monde qui était prêté l'argent à la banque. pou vin peye la menm. E an pli de tou sak yo te dwe, yo gen pou yo peye yon taks de 10%. Sa te vin ba gouvenman tankre d'August la an pil problem. Ma chenwa bla yi, tout bagay mante tet neg pou kol tak situasyon malouk sa. Gouvenman te blije de tombe imprime l'ajan, e al pon kout pon ya nan man kek gwo komesan alman ki tapo peye nan peyi ya. An pli de sa, T'en crédit Auguste et le colté à quel qui te déclencher un mouvement dans pays. Pour calmer eux, il te obligé Bayou Kob à Kampilzam. T'en crédit Auguste et le colté à quelques partisans Antoine Simon, c'est pour ça, dans le mois février et le mois mars, il te fait faire quelques arrestations dans le sud-pays. Tombé malade, le président Auguste est mort le 3 mai 1913. Personne ne connaît au juste de ça la cause la du de la mort président d'Auguste. Telejol dit qu'il est mourit empoisonné. Docteur Privel dit qu'il t'a mouru anémie, c'est-à-dire qu'il te fait faiblesse. Furniss, qui est ministre mérite qui au point de ça, Non, un télégramme que voit par le département d'État, dit que d'après résultat examen 100, Tancred Auguste d'Auguste a un syphilis, troisième degré. L'étant créé d'Auguste mouru, il a 57 ans et il était passé neuf mois au pouvoir. Michel Aurès, 4 mai 1913, 27 janvier 1914, 22e président d'Haïti. Le lendemain, pendant que Monseigneur Conan, archevêque Port-au-Prince, tape chanter l'enterrement en tant que d'Auguste, un groupe soldats entrent dans la cathédrale Port-au-Prince et ils commencé à tirer. Dehors, général Edouard Defli, qui était commandant militaire Port-au-Prince et candidat à la présidence, te font bon soldat en secrétaire la cathédrale là pour empêcher l'enterrement en beau bon, La Roche, yon il y a un autre candidat à la présidence, avec une équipe partisan bien amé, vient attaquer soldat des fléaux. C'est Mou Pradel, qui était ministre de l'Intérieur, sous gouvernement Auguste, grâce à, à un yon régiment armé, à quelques gardes-palais, a réussi à faire des groupes dispersés, dégager la cathédrale-là, et permettre qu'on voit cadavre-là à l'enterrer dans cimetière. Non après midi la Chambre réunie pour faire élection, pour nommer un nouveau président, pour remplacer Dankade Auguste. Edouard Defli paraît encore quelques soldats pour l gâter l'élection. Soldats-là, mer repoussés. y a deux candidats déclarés à la présidence. Yon, c'était Luxembourg-Covin, un grand avocat pour prince, et l'autre-là, Michel Aurès, sénateur de la République. Parlementaire fait élection et ont nommé Michel Aurès, 22e président d'Haïti. Michel Aureste a gagné l'élection pour deux raisons. D'abord, comme sénateur, l'autre parlementaire a eu plus d'intérêt pour nommer Michel Aureste qui est un collègue. Ensuite, il a eu payé chaque parlementaire un bon de 600 dollars pour six occultes passés. Parlementaire parlementaires ont toucher l'agence ça dans caisse l'État. Depuis 1804, 109 ans après l'indépendance, Michel Ores est le premier civil qui devient président d'Haïti. Avant ça, tout ancien président, c'est militaire et auteillier. Michel Aureste fait Jacques Mel, c'est un griffe. Il était monté au pouvoir à 54 ans. Il était sorti d'une famille qui patriche. pas riche. Il était très intelligent. Il était aimé étudier. Il était très populaire. Il était un grand professeur dans l'école de droit de prince Il était un bon sénateur. Il était une réputation. Il y a un monde qui t'a parler et qui fait de faire belles discours. Malgré toute bonne belles qualités, ça y Michel Orest te monte ou pouvoi san yon bon program politik. Sel sal dil pral fe, se premiyaman reforme lame, dezyyaman rentre tout vilajan ki te kontinuye ap feroulman ap e yia, tozyyaman devlope l'ekol rural. An lagan, Michel Orest te gen pou l'kolte ak yon mas poublem. Tout d'abord, gwocha boak nan lame ap patouvel normal pou pran l'od nan menyon sivil. Professeur, l'école a pas d'accord pour réformer tes fêtes éducation La Banque Nationale de la République d'Haïti t'a toujours continué à refuser par le gouvernement l'argent pour entrer toutes les L'argent qui t'a fait roulement dans le pays depuis ce temps-là. Michel Ores, qui au commencement t'es l'argent, t'es décidé de couper ça. Et ça t'es monté tête contre lui. Mais t'es divisé en deux camps. Et un camp, t'a bataille contre l'autre. C'est... Tout le temps, le président a l'état anonyme et il a fait le menace. L'histoire rapportait que l'aile à l'église le dimanche, jour de fête, il était toujours fait poter pour lui, y un fauteuil qui saute dans la balère. Parce qu'il était toujours refusé. Chita sous fauteuil qui réservait pour président dans l'église. C'est le président Michel Aurès qui te fait un tirage de la banque de 350 000 dollars pour te rebâtir par les national là. Nous songez que par palais a été écrasé. nan eksplosyon ki te la koz lan mòr prezidant Sessinatus le Kont. Te gen an pil bureau injenyeur haisyen ak etranje ki te inskri pou de gen kontrar. A la fin, se George Bossan yon injenyeur haisyen ki te baye kontrar e se li ki bati pale nasyonal la. Le 1 janvye 1914, yon soulevman eklate Tomaso. Troupe gouvernement se ekle Tomaso yon harite 19 rebelle ansan makyon general. Yo aux toutes. La même, c'est tout le pays qui était soulevé contre Michel Ores. Des ordres avec de feu tout partout. Le 26 janvier 1914, Michel Aurès remet maître démission, la apprend que récemment a à a la tête yon l'armée Kako saute dans le nord et a marché sur Port-au-Prince. Le lendemain 27 janvier, les Michel Ores, Madame Lee, ensemble avec quelques partisans, sont descendent sous Waf à bâtiment pour mener en exil. yon ful moun te mase bo waf et ap tan nyop. Le yo paret skandal pete, fizi tire, an pil mor, an pil blese. Pou de zot la pat gaye, ansyen minis gouvernement te bli jalman de mam kod diplomatik yo ki denan Port-au-Prince pou ede yo kontrole situasyon an. Ankor un fwa, kek marin alman te debake, yo rete ate jiska sko kako o reza mor yo rentre Port-au-Prince. Michel Ores, 22e prezident d'Haïti, te pase 8 mwa e 22 jou ou pouvoi. Orez Amor, 8 fevriye, 29 oktob 1914, 23èm prezident d'Haïti. Nan komanseman janvye 1914, de chef kako Orez Amor ak Davide Mateo dò, te mette tètyou ansam pou yon rentre podo prins al jute Michel Orest. Sependan, le kako Davide Mateo dò yon rive gonaiv, Charles Amor Frère, Ores Zamor, t'es déjà occupé Gonaïve et t'es metté Kako David Mateo Doyo en déroute. Entre-temps, Ores Zamor prend train, il monte Port-au-Prince, il rentre dans le Parlement national et le prend pouvoir. Trois jours plus tard, le 10 février 1914, la Chambre réunit et on nomme Ores Zamor, 23e président d'Haïti. Comme sous gouvernement Salomon, par un, t'es obligé de quitter Port-au-Prince Poal viv se kalasous, se se kalasous ke Orez Amor te fet, li pat save, e denpi Orez Amor monte ou pouvoar, se problem sou problem. Le 5 fevriye, Davil Mateodor rentre ou kap, li met di fe, e li vre vil ou kap ou biyaj. Kako yo ki te rentre a Xamor, Orez Amor, poto pwens, yo te fe ou pwomens, ke yo te pal bayo di gout chak jou, kom yo pat bayo anyen, Tu été tombé mettre du feu et fait fe pillage à Port-au-Prince. eu une grosse panique à pile Courri. C'est grâce à quelques commerçants allemands qui ont prêté à 2 millions de que tu es distribué par Kakoyo qui fait que calmé. Le 26 février, ministre américain à Port-au-Prince fait au qu'on que les États-Unis après connaître le gouvernement à deux conditions. Premièrement, c'est pour le bail américain yo administration tout douane dans le pays. Deuxièmement, il faut que le Baye Washington assure que le pape remette Mol Saint-Nicolas à aucun autre pays. À Canal de Panama qui te fait que il faut que nous connaissions dans temps ça. Hein? Molson Saint-Nicolas est tourner un point stratégique très important pour les États-Unis. Dans notre pays, depuis mois mai 1914, de Ville au Cap jusqu'à Wanamint, tout est sous contrôle Kakoyo qui te met du feu et fait pillage en pile partisans à mort. Charles Zamo, frère président, t'est établi au Cap pour suivre le mouvement Kakoyo. Il t'est fait arrêter et fusillé en pile moune la fossette. À cause des ordiotâpes continuées, Ores Zamo lui-même t'est obligé à la tête un gros force monté monter dans le nord, l'élévier ou David Mateo Do, qui était là, t'est déguisé en femme et t'est couru traverser les frontières. En 1914, après déclaration première guerre mondiale, la France suspend acheter café haïtien. C'est un gros blot pour le gouvernement Zamor, surtout là, nous connaissons ça café toujours représenté dans l'économie du pays d'Haïti. Le 14 octobre, Docteur Rosalvo Bobo essayait d'attaquer la prison au Cap, qui était plein de prisonniers politiques. Il Là, il prend refuge dans le consulat allemand dans la ville au Cap. Le 18 octobre, Charles Zamor, quittait au Cap et qui sentit que la situation était perdue en bâtiment qui mène Le 28 octobre, le président Ores Zamor, en s'en m'a fouel Charles a pris un bateau dans Gonaïve, qui fait février pour Curaçao. Il arrivé pas de prince. Le lendemain 29 octobre, Charles Zamor débarqué, il n'était trouvé pas allé à déchouquer. Madame Zamor, en avec m'a tout petit a pris un refuge dans l'égation dominicaine. Le ministre français a été consenti par bah, la famille Zamor, asile politique. Le lendemain 30 octobre, ministre français, ensemble avec ministre dominicain, vous accompagné au à la pour yo à l'exil. en exil. Te gant en pile pour qu'ils qui puissent pas assister. Et vous pat manqué, pas salambé, ma pas salamber dans la mort. tombé tiré et il te fait pillage en pile, magasin n'importe au prince. Mes amis, obligé, font faut que je camper parce que ce n'est pas, il m'a parlé de kako, 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 mais caco ça. Yo, mais qui est le monde qui Et moi, c'est kako caco à côté de Livistwa rapote ke peyizan nan moun nord-est e sutou moun t'organize, te konmete gran Karako byen long sou yo, yo te konre le o monsur Karako. Se konsa mou Karako a te vin deforme, el te vin kontrakte an Ka-ko. De 10 fevriye a 29 oktob 1914, ou rezaman te pase solman 8 moua e 19 jou ou pouvoar. Davil Matheodor 7 novembre 1914, 22 février 1915, 24e président d'Haïti. Le 6 novembre 1914, David Mathéodore, à bord entre Macdonald, quittait Saint-Marc, il rentrait Port-au-Prince. Tout peuple Port-au-Prince était campé pour recevoir. Historien comparait l'entrée David Mathéodore Port à Port-au-Prince à l'entrée Sylvain Salnave en 1867. Il rentrait dans la cathédrale, il font prier, après Salmont au palais, et sans formalité, il prend pouvoir. Le lendemain, 7 novembre 1914, la Chambre en bloc votait David Mathéodore, 24e président d'Haïti. Il était prêté serment le 10 novembre 1914. David Mathéodore était fait en 1847. L'aile t'arrive au pouvoir, il était 67 ans. Il dit qu'il était fait soit Henry, soit Foliberté ou Adamette. Cependant, l'histoire n'a pas de qui côté exact David Mathéodore était fait. Il y a des gens qui ont joué avec le frère d'A. Il pas de savon. L'État 18 ans, il a commencé à travailler dans l'État. Il était magistrat communal ou en en même temps consul d'Haïti, l'Axavon. Il était sénateur en 1888 et président de chambre sénat en 1911. David Mathéodore a peine de pouvoir te charge avec problème. Problème avec Kako, partisan ou à mort, avec Washington qui te refusait au recommander gouvernement. ak o zalvo bobo minis de l'interiour gouvernement men ki te opose aske yo remet finance ansam ak tout resept la douan peye sou kontrol meriken ak ti solda yo ke gouvernement pat kap peye ak oposisyon ansam ak komersan yo ki te trouve ke Davil Mateo do pat kap dirije peye sitwasyon te konsa kante le 17 desan 1914 yo rejiman merine meriken Qui t'aborde un bateau de guerre qui les maquillages, débarqué dans le roi Fort-au-Prince. Il dirigé à la banque, côté royal, prendre plusieurs caisses qui t'aideraient en dépôt 500 000 dollars en or. Pour le gouvernement américain, gouvernement haïtien est en faillite et seule condition pour les États-Unis reconnaître et prêter gouvernement à c'est de remettre le direction finance pays. Le gouvernement a insisté pour retourner 500 000 dollars parce que c'est seul moyen qui était capable sauver gouvernement à cause de la guerre, pas de exploitation café, ça la cause, que l'État était vide, commerce en faillite, la misère était blâmée tout partout et population en tous abois. Soldats yo qui étaient soutenant nord à David matéodore tombaient si la terre pour toi, Prince, ça tellement grave que président, pour raison de sécurité, était quitté par national, et était transporté gouvernement dans la caserne de salines. Coincé! gouvernement a fait une presse dans la capitale, là, servi avec papier journal pour imprimer bon pour 8 millions de C'est un bon bon sans valeur. Et le peuple là pas de printemps pour aller au bon frère. Et puis, ta, tout simplement, il a le bon da. bon. Les États-Unis ont continué à mettre gros pression sur le gouvernement pendant trois mois, quinze jours, que David Ma, Théodore, au pouvoir. Il était passé cinq ministres des Finances. Joseph Justin, ministre de Relations Pays d'Haïti avec le pays t'a présenté un projet de loi qu'elle t'a dit, comme nous rendons compte, nous ne sommes pas capables de ministre yeah, <coughs> le pays, on nous mettre étranger. La cause causes, ça a tombé la chambre. You aller pour faire fin avec le ministre Joseph Justin. C'est docteur Rosalvo Bobo, ministre de l'Intérieur, qui était là, qui réussit à sauver la vie. Au Cap. Dans dimanche 17 janvier 1915, quand nous tirons et déclaré Villebois-Guillaume, chef pouvoir exécutif, même jour, vice-amiral Caperton, commandant un bateau de guerre américain qui était les Washington, recevons un télégramme pour la LOCAP. L'amiral Caperton arrive au Cap, ministre américain n'a pas de point, c'était de lui. Il demande Caperton pour la grande Villebois en visite. Caperton dit à Villebois, il prale deux bateaux de guerre pour suivre lui de Haut-Cap jusqu'à Port-au-Prince, parce qu'il tient à ce que sous toute route-là, il n'y ni du feu, ni billage. Le 21 février, toute Port-au-Prince, en est encerclée. charlemagne Charlmagne dans la tête force de 1500 hommes, t'est occupé Pétionville et t'est coupé toute installation qui chargeait de l'eau dans Port-au-Prince. Le lendemain matin, 22 février, David Matteo après qu'il finit en tournée en ville, rentrait dans le palais, balle d'émission. Desen sou waf al pon batiman pou menen an exil. Le lrive sou waf, se lè sa solman ke Davil Matheodo realize ke lte gen an poch li, la jan solman pou lkape yon pasaj pa pi loin ke Santo Domingo. Se konsa, Davil Matheodo te monton batiman machan alman kit al depozel an exil Santo Domingo. Davil Matheodo, 24èm prezident d'Haïti, nomen pou 7 an, T'es passé seulement trois mois et quinze jours au pouvoir. Laisse-le, le pays a tout non une véritable nuisance publique. Et tout le monde t'a demandé, mais pendant combien de temps les États-Unis qui ont déjà occupé plusieurs pays en Amérique latine nan, pour tolérer toutes les blousailles et toutes les gagotes qui ont fait dans le pays d'Haïti? ville guillaume Sam, 22 mars, 27 juillet 1915, 25e président d'Haïti. Le 25 février 1915, trois jours après le départ d'Avil Théodore, bon guillaume rentrait à Port-au-Prince, la même Yolomel chef de pouvoir exécutif. La Chambre réunit en Assemblée nationale, il a fait élection, et le 9 mars 1915, villebon guillaume prêtait serment comme 25e président d'Haïti. Comme vice-amiral Caperton, où toute bagaille était passé très bien, il levait l'un bateau de guerre américain en Washington, et il fait voile en direction de Guantanamo. Toute bagaille a commencé très bien. Villebois a nommé en bon monde qui était capable d'élever un bon gouvernement. À Simon Sam a fait le cadeau de 50 000 dollars. En plus de ça, gouvernement te goud, a reçu 16 millions de que David Mateo a imprimé à New York. La même valeur de la montée, 5 goudes 70 pour un dollar. Comme la banque a sa suspendre le fonds de l'État, toute l'agence a été déposée dans le palais national. Bon nom c'est vilboin Guillaume. Cependant, il vient ajouter Sam dans en reconnaissance pour tout sa cousine, ancien président Thérésia Simon Sam, t'es fait pour lui. premier acte que Vilboin posait, c'est arrêter toute l'ennemi politique qu'il t'a gagné. Un mois après, la apprend que Rosalvo Bobo de monte christi est un mouvement révolution. li te fè arite plus pase 300 mèm lè dit peyi a. Rosalvo Bobo se ton mulat ki te fèt nan or, li te de tay mwayen, li te gen takten an figil, e chevel te tou rouge. Paran te vò el etidye la medsine an Frans, e lèl te rotounen, li ta pratike la medsine o kap. Se ton save, yo nasyonalise integral, li te kont meriken, el te gen an pil la pen, pou en an ki kondisyon peyi da iti tombe, À cause de mauvaise administration, ancien dirigeant qui a dirigé le pays. Bobo rentrait au Cap le 5 mai 1915. Le 7 mai, il publie une déclaration dit pour préserver l'indépendance du pays, il n'y a pas d'accord pour remettre les Américains en direction de la douane ensemble avec l'administration finance. Entre-temps, les États-Unis fait le bon connaît. seule condition pour reconnaître le gouvernement, c'est pour les Américains au contrôle sous toute douane et finances du pays. Le 22 mai, Villebois recevra visite Paul Fuller, qui est un officiel gouvernement américain, qui vient offrir que les États-Unis envoyé soldats à marine pour aider. Si cas, Bobo, t'a marché sous Port-au-Prince. villebois quoi pouvoir? Villebois fait Fuller comprendre, seule condition pour l'accepter, il faut que c'est validé qui t'a passé troupes américaines au lord, leur peut quitter pays. pas accepté. Entre-temps, bataille maillée dans Ville Cap entre partisan Bobo et Soldat Villeboin. Bobo, comme docteur, te tient à ce que ces ligues soient et toutes blessées, que c'est partisan, que c'est Soldat Gouvernement. Comme partisan Bobo était menacé de rentrer dans le consulat français au Cap, Alpinket, partisan Villeboin. ministre français à n'importe au prince, vont un télégramme à Paris, et ont leur télégramme Washington pour demander gouvernement français à gouvernement américain pour ouvrir troupes à Mait Claude dans la ville au Cap. La France voyait des cartes, c'est un bateau de guerre qui débarquait 50 marins. Le 1er juillet, vice-amiral américain Caperton, à beau bateau de guerre Washington, retournait et arrivait dans le au Cap. Stratégie Caperton, c'était protéger Ville Cap et empêcher par tous les moyens Bobo marcher sous Port-au-Prince à le point pouvoir. À la fin mois juillet, c'est pas au Cap, mais ça, c'est plutôt Port-au-Prince, des blousailles là pour l'éclater. Le 26 juillet, vers 2h de l'après-midi, un bonne ben Group groupe rentrait dans la cour consulat portugal. kom konsil la te malade, li tal pon repou pechon vil. Le lan demen 27 juye, ver 2-3 jeur di maten, yon groub de 37 revolusyoner te kite konsil la Portugal e yo tal atake pa le nasyonal. Vilboin, ansan mak tout kofan mil, te kouri travè son muraï ki te separe pa lè, a legasyon de Frans, kote yal mande asil politik. Vilboin voyon let ba general Charles Oscar Etienne, mandel pou l'ronne, Général Charles Kaïtienne, voyons l'aide de Villebrun pour dire que la prenne à midi. Effectivement, à midi, Charles Charles Kaïtienne a demandé asile politique dans dominicaine. Là même, le peuple a couru à en prison pour libérer tous les prisonniers politiques. Là, où il pas de prison, il y a cadavre 168 prisonniers que Charles Charles a fait assassiner. Parmi eux, cadavre ancien président reste à mort. ke Vilboen te fè met nan prizon. La menm, te le djol gaye pou fè konen ke Vilboen te pase Charles Oscar l'od premier kout zam ki pati pou deklanchon revolutyon louvri prizon e ekzekwite tout prizonier politik. Sependan, dapre l'istwa, nan lek ke Vilboen te vou e bay Charles Oscar, li te dil wak aji dapre konsyansou. La menm, Le peuple a râlé Chaloska dans légation dominicaine. Edmond Polinis, qui a trois petits garçons qui étaient assassinés dans la prison, a fait fin à Chaloska. Après ça, ils ont vidé la gasoline sous lit et ont brûlé le cadavre. Le lendemain, après l'enterrement en de trois petits garçons, Edmond Polinis, le peuple a talmacé devant légation de France, qui était sous le chemin des Dalles. Ils ont râlé Villebois, ils ont coupé la tête, ils ont coupé de bras, ils ont coupé de pierre. Après ça, il traînait cadavre de France dans toute la rue Port-au-Prince. Villebrun, Guillaume Sam, 26e président d'Haïti, a passé 4 mois et 5 jours au pouvoir. Marine américaine a débarqué et a occuper pays d'Haïti. Même date 27 juillet, après l'assassinat de Villebrun, le ministre américain a envoyé un message, par a perdu qui au cap, il pour, pour le rentrer vite Port-au-Prince. Le lendemain 28 juillet, à 11h du matin, Caperton a abordé bateau de guerre Washington, tel déjà le rade Port-au-Prince. Vers 5h30 de l'après-midi, après, après qu'elle ait fait un prendre contact avec le ministre de France et ministre anglais, Caperton, qui dégaine quatre toutes de tout Port-au-Prince, fait débarquer une force de 330 hommes, 165 matelots et 165 soldats marine corps. Occupation pays a été faite en douce. Il y a seulement trois mouns qui mouriront. Deux soldats américains qui étaient morts par accident et soldat haïtien de 26 ans qui tirait les pierres sur lui ou bien Joseph Pierre, soldat haïtien, ça a monté la garde devant l'Asnal. Il en détachement de 50 marines américains qui étaient l'arsenal, à l'Asnal. Ils ont été Zam sous et ils étaient Sans que autorisation, Washington, Caperton t'a débarqué troupes et t'est occupé pays. C'est juste le lendemain, le département d'État a un télégramme pour dire que le Cap agit d'après jugement et prend toute disposition que le jugeait nécessaire. Le 6 août 1915, Davis, chargé d'affaires américaines à Port-au-Prince, voyait une note, corps diplomatique, ensemble avec Consulio, pour annoncer que ce colonel Eli Cole, qui est responsable du contrôle militaire, e Kapten Bitch se liki la pou tout zafè sivil. Pita, Kolonel Waller pou al remplase Eli Cole e se Kolonel Waller ki pou al kombat mouvment kako nan peyi ya. Kek jou apre, blan yo disoud komite sali publik. Yo lisansye lame, yo dezame kako e yo refoule tout kako province, yo an provins yo pon kazen desaline ak fòr nasyonal. Nan epok sa a, y quelques 200 blancs allemands qui vivent dans le pays. Blancs allemands, ça, ils ont contrôlé plus de 80% de toute activité commerce qui a fait dans le pays. C'est eux qui ont expédié denrées à l'étranger et ont voulu chercher toute qualité de marchandise bout de l'autre bord de l'eau. C'est le déclenchement de Première Guerre mondiale en 1914, à débarquement marine Mercure en 1915 qui vient craser l'influence allemande dans le pays d'Haïti. L'Église catholique n'a pas de fin d'accord avec l'occupation du pays. Parce que vous pouvez voir que les protestants pour envahir le pays écraser influents. C'est ça qui vient arriver. Parce que depuis 1915, les pasteurs protestants américains commençaient à monter tant en dehors, dans la section rurale. Là, ils ont bâti l'école, ils ont bâti l'église. C'est eux qui, mieux, viennent montrer l'importance de la langue créole et apprennent à lire et écrire créole. Capeton demandait de colonel Beach pour le dégager, le trouvant candidat à la présidence, que le cap baille bourad Bitch approchait d'abord Jacques-Nicolas Léger, ensuite d'Actigue, tous les deux refusés. Finalement, Philippe Sud dactigue président Sénat, te fini par accepter. Là même, il voulait chercher Bobo au cap. À peine Bobo y fait pas de prince, Beach convoquait elle et deal. Mwen konen kou vle sevi ak la fos pou vin prezidant Ou pa selman menas Ou son malediksyon pou Haiti An pli de sa Ou son lenmi publik pou les Etats-Unis Kapetoun ki pat vle bagayou paret tro led Nan dimanj 8 out Li kouvoke datignav An sanmak bobo Nan kay menis meriken Pou yon chita pale Bit ch tout daba mande datignav Si zo kabo bouta pase kom prezidant Est-ce qu'on d'accord pour aider le dirigeant du pays Dattignav dit oui. Après ça, Bitch dit « Bobo, si zo cadavre de passé comme président, est-ce qu'on d'accord pour aider le dirigeant du pays Bobo dit non. Je vais pays à la même parce que c'est moi seul qui est capable et c'est mon peuple haïtien, Remain. Bagay l'a prend la rue. Un pile de Bobo de ce qu'il te manquait de souplesse. Caperton Dati Dattignav pour convoquer la Chambre en Assemblée nationale, pendant quatre jours, fait élection présidentielle. Le 11 août, la veille élection, un comité révolutionnaire publie un décret qu'on a demandé pour renvoyer la Chambre, formant un gouvernement provisoire de sept membres, montant l'Assemblée constituante et non mon président. Les sacs ton furieux, là même, ils convoqué Bobo, ensemble avec les six membres du comité révolutionnaire, ils font officier d'IO. Premier coup qui tire de qui tirait demain, c'est exécution nous. Pas bien ni arrestation, ni jugement. Si vous convoquez nous là, c'est pour avoir chance. Si vous voulez nous continuer à vivre, faites tout ça capable pour que la journée de demain, c'est un jour qui est plus paisible dans toute l'histoire du pays d'Haïti. Le lendemain, jeudi 12 août, exactement 15 jours après le débattement de Marigno, élection faite. T'es gagné en pile gros sécurité. Philippe Sud-Arctiguenave, t'es passé à 94 voix sur 116. Aux bobo t'es gagné seulement 3 voix. Bien bon, maintenant, matin, je joue hein? Bobo t'a asile politique dans l'égation anglaise. Trois jours après, le 15 août, il embarquait à bord d'un bâtiment français qui te à Santo Domingo, il n'a pas accepté. Il continue à Santiago de Cuba, il n'a pas accepté. Finalement, il débarque Kingston, Jamaïque. Côté le pratiquer la médecine pendant dix ans. En 1925, Bobo rentré à Paris. Côté le mourir en 1930. Chapitre 10. Philippe Sud Suddactiguenave, 12 août 1915, 15 mai 1922, 26e président d'Haïti. Philippe Sud Suddactiguenave était fait en Savo en 1862. Comme avocat, il était une belle clientèle dans la zone sud-pays. Il était monté sénateur en 1910, il est président Sénat et finalement président d'Haïti. C'est un monde simple, un bon catholique, de belle taille, il était gros nègre. Il était un moustache qui était fin en pointe. C'est peut-être ça, le peuple a il était chat. Après, il a fini serment comme président, il a pris un captain Beach, captain américain, et il a fait un discours pour remercier captain. Il a fini, il a invité captain Beach pour monter en voiture avec elle. Et ensemble, elle fait la tournée en ville. Après ça, il faut que nous disions, pas de hommes qui chantaient dans la cathédrale Port-au-Prince pour dactigue Quatre jours après, chargé d'affaires américains, Bill Davis, remet D'Actigue-Nav une convention que le gouvernement américain tient à ce qu'il signe sans changer une virgule. La convention prévoit que le gouvernement américain, sans qu'il n'y pas de besoin de consulter à le gouvernement haïtien, par le nom receveur pour administrer toute douane dans le pays un conseiller financier pour contrôler les affaires finances. Ils al monter une nouvelle force de l'armée, ils pourraient vouer quelques ingénieurs sanitaires pour nettoyer le pays et bâti programme pour aider le développement du pays d'Haïti. En plus de ça, le gouvernement haïtien ne peut pas céder aucun mot le pays sans consentement du gouvernement américain. Haïti n'a aucun droit sur la banque, aucun droit sur le chemin de fer, ni aucun droit pour négocier paiement kek bon ke Haiti te sinye ak peyi la Frans. Kom nou kap wè, da Tignav te la, tan kou yon ti pou petwèl. Li eseye, fè Amerike yo modifiè konvansyon, el te mèm menase bal demisyon. Chagè da fè Amerike yon Bill Davis, fè e da Tignav kompran ke Washington wè dil ke l ap jwè ak du fè. E si l persistè, y ap toujou jwen wè aysen ki pi souple, ki pi dosil, pou remplase l kom prezidant. Ou bien tout simplement, y ap etabli en Haïti yon gouvernement militaire. Les Sahara, jounalist yo levé kampè nan kon Datiknav, kritik yo te vin telman chou, ke Datiknav mandé merikèn yo pou yo mette loransi ananmigèr, e harite tout jounalist ki ta ose kritike zak gouvernement. Le 16 septem, yon mwa apre Datiknav te monte yo pouvoi, li revoke tout menis, li nomè Louis Borneau, comme ministre aux relations pays d'Haïti avec pays de l'autre bord de l'eau pour remplacer Poléus Sanon, un gros nationaliste. Même jour, Bono, qui était d'accord avec l'Américain, signe convention. Le lendemain 17 septembre, Amiral Caperton fait monter drapeau haïtien à bord de bateau de guerre américain Washington. Il fait tirer 21 coups de canon. C'est en façon pour montrer que le gouvernement américain reconnaît le gouvernement darctique Après un pile pression député et sénateur, tu fini par ratifier la convention. Il faut que nous connaissions 6 dans 81 députés qui n'ont pas signé ni ratifié la convention. Il y en a c'était le docteur Raymond Villers à député bilat. Avant de sortir la Chambre, il a arraché 4 député qui était taché devant, il voulait le jeter. La convention a signée pour 10 ans. Cependant, le 28 mars 1917, Gouvernement Haitien siyen pou yon, pou yon prologasyon de 10 an ki vle di ou liye de 1925. Konye, Gouvernement Haitien d'akor pou blan Ameriken yorite nan peyiye jiske apre 1935. Se pa de la kobat datiknav te blije fe pou l'ple. Yon bo l'elite peyiye e lot bo Gouvernement Ameriken. An pli de sa, ofisyen Ameriken te pren plezi pou manke datiknav de garte. Majon meriken Butler te rive kampe devan Datignav e trete publikman de manteur. Sa pot konyen, Franklin Delano Roosevelt se li kom sekreter ad etat de la marine ki te responsab dosye okupasyon de peyi d'Haïti. Li te vin nan peyi a fe inspeksyon. Datignav te gen pou le deplase an oto avek li. Le Datignav te ale seye monte o toa avan Roosevelt Bajor Botler te trap Datiknav nan Gagan E fel kompran ke dapre protokol Se ouzvel ki pou antre An pwemye nan otor Tego kolonel meriken ki te rele Waller E ki te pale franse Kolonel Waller sa tignav, Te rive kampe devan Datiknav E trite l publikman dipokrite Datiknav te gampe l problem ak palman teyo Se pou tete sa li te ferme la chanm defwa Après ça, pour diriger le pays, Dati Gnav montait au conseil d'état de 21 membres. 21 monde parle que lui-même était choisi. Quoi qu'en 1915, Dati Gnav était dit vice-amiral Copperton que le pas de go qu'il faut pour te président d'Haïti. Cependant, en 1922, le mandat d'Atignave fini, finit, il n'y a pas de sale pour le taffon deuxième mandat. de 20 pour lui, Mem 21 man konsey deta ke l te chwazi ya, yo fè eleksyon, e yo nan men pou anplase el, Louis Borneau, yon nan ansyen minisyon ki te servi sou gouvenman. Rantren nan peil an savo, datik nav ki te fume en pil, te gon konsey nan lang. Se sak la koz ke l te moui an 1925, toaz an apre ke l te kite pouvoar. Se sou datik nav ke te promulge yon nouvel konstitisyon, La Constitution de 19 juin 1918. L'histoire n'est pas fine trop claire pour connaître qui monde qui a écrit la Constitution ça. Ou bien c'est Franklin Delano Roosevelt, ou bien c'est staff département d'État américain qui t'a écrit. En tout cas, la Constitution 1918 est écrit aux États-Unis et ce n'est pas haïtien qui t'écrit. écrit. Vous présenté la Constitution avec le peuple là, qui t'a voté dans le référendum. Constitution ça a été plusieurs changements. Se li ki pou la pwomya fwa vin bay e etranje doa pou yo vin popriyete te ak kay an Haiti. Se konsa nou pou alwe vin la Haiti koron an peyi ya, kompan yi meriken tan kou asko nan pato prins, plantasyon do fwen an fay ton ak dirak bo son fwa liberti. Se konstidisyon sa ki pou almet alamod pou se kote se pa juj, men se pito mam yon jiri ki la ki pou deside se si pou yo lage ou bien kondane o kriminel. Soudatik na vyote remete la korve, blan yote fe pran yon ban peyizan e fe yo yon travay gratis. Se konsa peyizan yote reysi fe de wout. Yon wout ki wou liye pat ou prins a ou kap e yon lot ki wou liye pat ou prins a myan balè. An plus de wout, blan yote bati kek l'opital, kek kazern, e kek prizon. Le 12 avril 1919, gouvernement américain signe une convention pour le bail de la jarrette. C'est à partir de date ça, qu'on besoin seulement 5 good pour un dollar. Malgré tout, au point de vue économique, ça te va pas marcher trop bien. Et ça la cause, un pile jeune garçon, ça fait pas bon. Un pile paysan, es obligé de courir qui le pays pour aller couper quand soit Cuba ou bien un dominicanie François Borgia Chalma et il n'est pas possible pour parler d'occupation américaine et gouvernement d'Arctique-Nave sans pas parler de Chalma et À deux fois, Soulouk envahit la Dominicanie. Chaque fois, il toujours saisi un ben bon dominicain. C'est ça qui que côté Tankou, Las Caobas, la Los Palis, Serkacavaral, malgré la commune non Saïo, il fait partie territoire Haïti. Après ça, les Dominicains qui vivent dans la commune y Saïo, comme tourner haïtien, il était tout changé non panyol en français. C'est comme ça des noms tankou Vincent Vincent Zamora Vintounais, Zamor, et Peralta Vintounais Peralta. Mais c'est d'origine, Panyol après qu'elle t'ait perdit yon première madame le 28 septembre 1884, il était bien 44 ans, il était marié avec une jeune couturière de 22 ans. Qui les Marie-Claire Emmanuel. Le 10 octobre 1885, Madame Péral, font petit garçon. Comme Madame Péral, est un bon catholique, elle était comme date fête toute Saint-L'Église. Et comme 10 octobre c'est date fête Saint-François Borgia, il était décidé de relé là François Borgia. Mais c'est ajouter Chalmaï. C'est comme ça, finalement, petit-là François Borgia, Chalmaï Péral. Chalma yi pase tout jènes li pote ou prins nan pensyon ka yon sèten Paul Benoit. Paul Benoit sa, yon ansyen seminaris, te louvri bo pon rouge, yon ti l'ekol külterile chè M. Benoit. Li te an mèm tan direktèr e sel profeseur l'ekol la. Lè l'pensè el ke elev yo bon, li te kon menè yo al kompozè ka ifrè Saint-Louis de Gonzague. Ifrè yo te kon akseptè pi fò elev ke M. Benoit te kon prezantè. Se konsè an an mèm avril 1900. Fouais saint louis admet admet Chalmaï qui dégaine 14 ans dans la classe 8e. Chalmaï est un élève très intelligent. Malgré le téconnement qu'il joue l'école, ça va t'empêcher de changer de classe chaque année. En février 1904, à l'âge de 18 ans, Chalmaï quitte Saint-Louis dans la classe 4e. Il y qui croient que Charlemagne est obligé de quitter l'école parce que c'est même année ça, papa Papal est mort. Cependant, d'après M. Benoît... C'est maman chalmain qui t'a belle l'école. Et pour soutenir Mme madame madame Péral t'a fait commerce, acheter en gros, vendant en détail entre hench Maïsad. Et au monde, il t'a conné sorti hench, vin pas au pour vendre douce à crapadou. Chalmain t'est passé un an au coinse pour suivre stage à Panthe. Après ça, il est entré hench côté l'alfa agriculture à Kelvage son habitation maman t'a acheté et que le papa, il quitté pour lui. Dans maman, moment, Chalmagne est un bon catholique. L'idée qu'on assistait à la messe le dimanche, chantait dans la chorale, et même servait la messe comme enfant de cœur. Chalmagne, c'est un bon viveur qui te remé en jupe. Il n'a pas gagné aucune retenue. Servante, bourgeoise, demoiselle, paysanne, avec Chalmagne, tout ce qui vient passe. C'est comme ça, servir vili et il y a paysan, tu fait deux petites poulies. En plus de ça, Chalma était remain batcock. Premier job Chalma, tu gagné, c'était vice-consul Commodore. une petite ville dominicaine qui sous frontière. Après ça, il magistrat hinch, juge de paix Mirbalet, commandant militaire arrondissement Port-de-Paix et commandant militaire arrondissement Léogane sous ville-bain Guillaume. Nan après midi 17 août 1915, 20 jours après occupation pays. Commandant un bateau de guerre américain de Eagle, Vin Léogan passe Chalmay, lode pour lui remettre le bureau commandant. Charlemagne, qui pas recevoir aucun lode avant ça, voit un télégramme par le président d'Actigue Mandel, ça pour le faire dans casa. Comme réponse, D'Actigue Nav un télégramme par Chalmay, côté le révoquer. Chalmay quitte Léogan, il passait Port-au-Prince et puis l'entrée riche. Dans le commencement de l'année 1918, ont accusé Charlemagne comme quoi il a participé à une vague de fêtes fait sous caserne Hench. Ils ont le mètre, Le essayé de traverser les frontières pour la Dominicani. Ils ont jugé, ils ont condamné à 5 ans et ils ont fait la prison au Cap. Pendant qu'elle ta balayé la rue dans la ville au Cap, Charlemagne a réussi à prendre tête de jeune dame Ils a pour suivre elle. Ensemble, ils ont sauvé et ils ont pris pleine plaine du Nord dans la date qui était 3 septembre 1918. Là même, Chalmaï rassemblait un bon paysan qui était mauvais contre les affaires corvées, qui le dit qu'il était forcé au travail sans toucher. Avec paysan Sayo, il montait un gros la mecca et Il de déclarer la guerre pour qu'il bite blanc blancs dehors et libérer le pays. Ya. Pendant quatre mois, chalmaï péralte. Non, Benoît dans la Tibonite, Ce n'est pas de misère, il fait gendarme gendarmes haïtiens au passé. Les marines américains c'est ça -ce, -ce. ont décidé de rentrer dans bataille. C'est ça que la cause a fait de 131 frappes, 131 batailles, que Charles Chalmaï Peraltio Et Benoît Batraville te fait contre marines américains ou, ensemble avec toutes les gendarmes haïtiennes. Le 6 octobre 1919, grand matin, Charlemagne qui était campé sous la tête de mode dans la commune Cabaret, à quelques kilomètres de Port-au-Prince, voyait une lettre chargée d'affaires anglais à côté de Mandel. Pour le mettre en tête ensemble avec tout le corps diplomatique et nos apostoliques-là et ouais, si vous n'avez pas une solution à la situation. Comme chargé d'affaires anglais n'a pas de jambes répondu à Swell, il a fait 300 en envahis pour tout prince. le prince. C'est ça que vous avez fait un capitaine américain qui a les en l'a gueule rouge un peu de choses. Il a de choses facile. Non seulement il n'a pas de jambes dormis de soi même côté, Yon bon parti population te quoi dans lit. Il établi établité général lì dans Fort Capois, yon fort que anglais ou te bâti dans telle la colonie sous tête yon gros monde dans grand hiver du Nord. Quelques jours après, Jean-Baptiste Conzé, yon ancien général, Kako, fait courir bruit dans grand hiver que te fatigué ak sa fait blanc occupé pays hier et ensemble avec Jean-Edmond François Yon ancien gendarme qui était déserté là, mais il parle au le rejoindre En réalité, Konze c'est un espion que Henneken t'a payé, te payé à et qu'on manger. Effectivement, Konze te réussi à le rejoindre à fort Chaque semaine, Jean-Edmond François et très rarement Konsei te ...t'a descend à rendre Henneken rapport sur tout ce qui passé dans le fort. Konze comme agent double était connu par Chalmaï qui était rapporté Au commencement, Chalmaï était suspect Conzé, mais après, il était fini par tout ça e que Conzé était connu. Après que Conzé ait scénario avec Henneken et fait courir le que qu'il était repoussé en attaque et que Henneken était fait souffrir au capot, qui était dans la Thibonide, voulait féliciter Conzé et nommer le général de division. Henneken, pour ne tombait marché dans toute Grenivale du Nord ak yon gro bandaj ke l te banyen ak lankouj e ke l te kouvri tout bral. Se ton fason pou l fè tout moun kwe ke se kako konze ou ki te blesel, lèl ta l atake fok apwa. Pat jom gen oken atak ki te fèt sou fok apwa. Se ton blof ke aine ken te montè avek konze. Konye, konze vwe di chalman ke l pre pou l atake ganizon merikeyo. Après la défaite pour port de le prince c'est avant une belle victoire si tu a réussi pour une grande commune dans le grand hiver du Nord. Chalmagne trouvait l'idée belle. Habillé en gros bleu, monté sur un gros millet, coiffé à un chapeau Panama et à la tête d'une force force de 1200 caco, Chalmagne quittait la Thibonite et le terrifiait fort capois le 20 octobre 1919. plan c'était pour Chalmagne de tendre résultat de la rivière Mazer. Il y a quelques kilomètres de Rivière du Nord. Comme Henneken était au courant que Charlemagne était fort capois, il était fortifié la garnison de Grenier, et monté de valière à Saint-Raphaël, il y a une bonne possibilité, sa que la cause Charlemagne était pris. Non, Pélen, il n'y a pas de moyen pour le sortir. Le 31 octobre 1919, à souhait, capitaine Henneken, ensemble avec William Burton, un caporal américain, a six figures. Et à la tête, il y commando de 18 gendarmes haïtiens, tout habillés en uniforme bleu-caco. Il y a le temps, il y a trappe pour la rivière Mazère pour assassiner Chalmaï, exactement en place, côté de teguin vintan Résultat, attaque, que conseil pour le monter contre garnison américain. Effectivement, les Hennekens rivaient. ils jouent plus parce 700 cacos étaient massés dans la rivière. Mais Chalmaï n'est pas là. Jean-Edmond François a rapporté, bail que n'avait pas de et décidé tant que qu'on une délégation vi annoncer la bonne nouvelle la même et n'est qu'en sauter sur l'occasion ça et décidé mon ton délégation pour annoncer Charlemagne la bonne nouvelle il traversait six postes kakou à chaque fois Jean Edmond François dit général Jean c'est grâce à passage que vous que traversé traverser six postes kakou et jusqu'au côté Chalmaï, tu établi quand, soit ça. Quelqu'un historien qui dit que Chalmaï était établi quand, en mode célestin et du Cependant, il y a une tradition qui veut que Chalmaï soit établi sous tête yon ravine près Pompée. C'est peut-être ça depuis les ça Yon viendront les ravines, ça, ravine Chalmay. Effectivement, Chalmaï était là. Jean-Edmond François montrait Hennequin qui est ce qui chalmaïne. Il a pas les revolvers et il a de deux balles. Là même, tout le monde a tombé tiré. C'est un véritable désordre qui s'est établi dans le camp. Bien bonheur le matin, il y a un cadavre chalmaï sur un bourrique et il descend à la du nord. un pour le il y qui dernier, ça comment Après ça, il y a un cadavre là sous une pote et sont rentrés à cli au cap. Autopsie cadavre a révélé que Chalmagne te prend deux balles dans le cœur. Il était pesé 140 livres comme hauteur il était gain 5 pieds 9.5 pouces et il était mort à l'âge de 34 ans. Yo exposé cadavre là dans caserne au cap et ont enterré le chabert le 2 novembre 1919. Après occupation pays Prezident Vincent fè deterre Zosman Chalmay, te fè bay funeray nasyonal, li fè chante lan temal nan katedral o kap, e enterre lan simtye o kap. Apre asasinay Chalmay, Benoît Batraville te vle kontinye lüt la. Le 19 May 1920, nan yon fwap, Benoît Batraville te mouri, nan yon kan ke lte genyen, sou tèt yon mon tibwapen a kek kilomet maïsad. Si asasina chalmay ma ke finisman mouvman kako nan no, lan mor Benoit Batraville ma ke ekrasman mouvman kako an Haiti, yon mouvman kite la koz lan mor plus pase 15.000 moun.